this morning, we spoke about the Four Noble Truths in general. Ce matin, nous avons parlé des quatre nobles vérités dans notre présentation habituelle et générale. And then we presented what Kala Chakra adds to this. Et nous avons présenté ensuite ce que le système de Kala Chakra ajoute à cette présentation de base. The main thing that we were emphasizing was a little bit more extensive explanation of the true causes of samsara. Et ce que nous avons souligné en particulier était une explication légèrement plus détaillée de ce qui est connu sous le terme de cause de la souffrance, cause de la souffrance dans le samsara. And we saw that the explanation of karma as the true cause of suffering. This was explained in common general presentation of Four Noble Truths. En accord avec la présentation des quatre nobles vérités, nous avons dit que la cause du samsara était ce qu'on nomme le karma. So karma in connection with the disturbing emotions and awareness of reality, the 12 links of dependent arising, all of that was in common with general explanation. Ce qui est en commun avec l'explication générale des quatre nobles vérités est le karma, et non seulement le karma, mais également les perturbations, les affections mentales, ainsi que tout ce qui est leur explication à travers les 12 liens de l'origine en dépendance. All coming ultimately from our unawareness or ignorance of how we all exist and everything exists. Et le tout ayant pour cause première notre ignorance, l'ignorance de quoi? De la façon dont les phénomènes et tout existent réellement. But the emphasis here on karma. Mais l'emphase ici, ce qu'on souligne davantage ici, ce que nous allons le plus parler, c'était le karma. And when we have a mention of karma like that, karma is including the whole entire karmic process of the compulsiveness of our behavior and the aftermath of that, the potentials and tendencies. Lorsqu'on parle de karma, on inclut ce que signifie le karma en tant qu'impulsion incontrôlée, les tendances qui vont en découler par nos actions incontrôlées, nos paroles incontrôlées, etc., et les tendances qui vont en résulter. And in addition, Kala Chakra presentation explains about the coursing of the winds through the channels of the body. En plus de cet aspect, le tantra de Kala Chakra explique une des raisons du samsara étant le parcours des vents dans notre corps subtil. And how in a very complex fashion the coursing of these winds wears away the channels gradually, step by step, so that through the process of aging eventually lifespan ends. Et comment, d'une façon assez complexe, ces vents dans notre corps subtil, lorsqu'ils parcourent ce corps subtil, vont dégénérer le corps subtil lui-même et parallèle donc à notre processus de vieillissement du corps. Comment cela amène à la mort. And then we looked more deeply at what's involved with the moving of these winds in the body. Ensuite, nous avons examiné de façon plus approfondie comment ces vents circulent dans ce corps. And we saw that this was referring to the movement of the so-called winds of karma. Et nous avons vu que cela correspondait au mouvement de ce qu'on nomme les vents karmiques. And how they pass through four creative drops during the course of a day. Comment, au cours d'une journée,
ces souffles karmiques traversent ou passent à travers les gouttes essentielles. And these drops are involved with the production of various, let's call them in general, mental holograms. Nous avons vu comment ces gouttes essentielles interviennent dans le processus de création de ce que l'on nomme les hologrammes ou images mentales. Which obviously are going to be involved with causing us suffering. Et qui, bien évidemment, sont impliqués dans la création de ce que nous ressentons comme souffrance. So, we first examined what arises on the basis of the drop of the occasion when we're awake, so-called body drop. Tout d'abord, nous avons considéré ce qui émerge de la goutte essentielle du corps. And this was referring to the mental holograms that arise in our conceptual thought. Et c'est en parallèle, en corrélation avec les hologrammes mentaux qui apparaissent à notre conscience conceptuelle mentale. So this is referring to what appears when we think or imagine or remember something. Cela fait référence à ce qui apparaît lorsque nous pensons, lorsque nous analysons et lorsque nous remémorons quelque chose. And it's very interesting how we often seem to think of these mental holograms only in terms of some sort of internal visual image. Et il est intéressant de considérer que l'on prend ces hologrammes mentaux comme une image visuelle, en fait. Il est intéressant de savoir que c'est... But we can also remember sounds. Oui, we certainly remember music, don't you? Think of music. Parce que nous nous remémorons également des sons. Par exemple, vous pouvez avoir le souvenir de sons de musique. And we can also remember smells, we can remember tastes. We can remember physical sensations like hot and cold. Similairement, de la même façon, nous pouvons nous remémorer des goûts différents, le froid, le chaud, des sensations tactiles, etc. So all of that is involved here in terms of what arises on the basis of the weak drops. Donc tout ça, c'est ce que nous considérons, et ces hologrammes mentaux, et qui ceux-ci naissent sur la base de cette goutte essentielle de veille. All of these are representations, mental holographic representations of categories, basically. Toutes ces, object categories. Tout cela sont des représentations, des hologrammes mentaux de la catégorie que l'on nomme objet. Now, let's go on with the speech or dream drop. Maintenant, continuons avec la goutte essentielle de la parole, ou aussi nommée la goutte essentielle du rêve. This gives rise to two things. Cela donne naissance à deux choses. The first is the appearance of confused speech. L'apparence d'une parole erronée, trompeuse. And the appearance of impure objects in dreams. Ainsi que l'apparence d'objets impurs lors des rêves. So, this word confused speech, it's also the word for deceptive speech. Ce terme parole confuse, on dit aussi déceptive, ce qui signifie erronée ou plutôt trompeuse. Right, we have to be a little bit careful. This isn't distorted. We're not talking about erroneous, false speech. It's confusing. It gives an appearance which doesn't correspond to reality. It's confusing. We're not talking about lying or saying something false. On ne dit pas quelque chose d'erroné, de faux, dans le sens où on pourrait mentir ou dire quelque chose qui n'est pas exact, mais dans le sens où confusion, là, viendrait de la tromperie qui vient du fait que l'on considère ce qui apparaît comme n'existant pas de la façon qui est différente de la façon dont les choses existent réellement. Mm. This is very interesting because
the texts don't really, or at least the texts, the commentaries that I've read and studied, don't explain what this is referring to. Alors le point intéressant, c'est que les textes que j'ai étudiés ne font pas référence en fait à, au sens de cela. So this is what I mean when I say that we need to analyze and figure out what is this referring to. It has to be referring to something, and what it's referring to has to be something significant that is involved with suffering, cause of suffering. Donc là, c'est là où nous intervenons. Il est important que nous analysions à quoi cela fait référence, parce que nécessairement, cela doit être en rapport avec la cause de la souffrance. So, one needs to analyze this, and this is what I'd like to try to teach people. How do you analyze? How do you try to figure out what this is referring to? Alors, c'est ce That's que... something very important to learn. C'est ce que nous devons analyser et c'est ce que j'aime enseigner, c'est-à-dire la façon de réfléchir et comment arrive-t-on à comprendre. We want to learn it, learn how to do this, how to analyze, because this is a clue, an indication of something that we need to work on in order to eliminate suffering, in order to help others. Parce que pour éliminer les souffrances et être capable d'aider les autres, il faut que nous ayons une idée de la façon dont cette souffrance intervient. Et donc, nous devons vraiment savoir comment analyser les choses. Et c'est ce que nous devons apprendre, c'est qu'elle est une... So it's not just an interesting question. It's a vital question involved with how do I get out of suffering? How do I help others out of suffering? Il ne s'agit pas seulement de se demander comment est-ce que je peux aider les autres, comment est-ce que je me sors de la souffrance. Ce n'est pas seulement une question dont il s'agit là. And as I indicated this morning, the way to approach it is with definitions. So, unfortunately, that requires learning some Tibetan and Sanskrit. Comme je l'ai indiqué ce matin, il est très important de se baser sur des définitions précises et pour par conséquent, il est important d'étudier le tibétain et le sanskrit. That means that we don't necessarily have to learn the entire language, but the technical terms in these languages are very, very helpful to learn. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'on doive s'adonner à l'étude approfondie des langues tibétaines et sanskrit. Mais il est très important de connaître les termes techniques qui vont être employés et surtout leurs définitions précises. Right, so you learn the term in Tibetan because what's going to happen is that different translators will translate it differently. So unless you know that they're all translating the same term, you think that they're talking about something quite different from each other. L'intérêt de connaître le terme en tibétain est que vous allez savoir à quoi cela se réfère lorsque vous recevrez l'enseignement. Parce que les traducteurs ont différents termes, et donc si vous n'écoutez que la traduction, vous ne saurez pas à quoi nous nous référons. Donc si vous prenez le terme tibétain technique, le terme tibétain, vous saurez toujours à quoi on se réfère. And then you learn the definition. Ensuite, on apprend la définition. And then you try to apply it with the awareness that sometimes terms will have different definitions in different contexts. Ensuite, vous appliquez cette définition tout en gardant à l'esprit que certains termes, en fonction du contexte, peuvent avoir une définition légèrement différente, un sens légèrement différent. And different authors and different textbooks will have slightly different definitions. Et de, en plus de cela, c'est que certains textes et auront des définitions légèrement différentes. Donc il faut avoir une conscience de tout cela. But our languages as well, if you look in different dictionaries compiled by different people and different committees, dictionary, the definitions in them also will sometimes be different. Mais vous verrez bien que dans nos propres langues, si vous vous intéressez à ouvrir des dictionnaires, vous verrez que la définition est quelquefois différente d'un dictionnaire à l'autre, d'un auteur à l'autre. So even a definition is just conventionally existent, it's mental label. Donc là, on voit bien aussi un exemple que les définitions elles-mêmes ne sont que des termes, n'existent que par termes,
ils n'existent pas d'eux-mêmes et en eux-mêmes. Now, the definition doesn't exist innately inside the word or inside the sound. La définition n'existe pas dans le sens, dans le mot qu'elle emploie, mais par le sens qu'on lui donne. People decide what it means. Ce sont les gens et nous-mêmes qui décidons ce que ça signifie. But in any case, let's not go too far in the direction of the voidness of words and language. Mais ne nous enfonçons pas dans le sens de la vacuité des mots ou du langage. So anyway, deceptive speech, what is that? Donc, qu'entend-on par la parole trompeuse? So, deceptive, if you look at how that word is used in other contexts, means, as I explained very briefly before, that the appearance doesn't correspond to the way it exists. Donc, trompeuse, dans ce contexte, signifie que l'apparence ne correspond pas à la façon dont, à son existence, au mode d'existence. So, it deceives us. Donc, il nous trompe sur la réalité. Now, this drop, the speech drop, is also, from another point of view, the dream drop. Maintenant, cette goutte essentielle de parole est aussi la parole du rêve, la goutte essentielle du rêve. So, that implies that we're talking about something rather subtle. We're not just talking about our regular, normal speech. Cela signifie que nous parlons ici de quelque chose de assez subtil, pas du langage ordinaire. And so, this word deceptive is also mostly used with conceptual processes. C'est pourquoi ce terme déceptif en anglais, trompeur, est le plus souvent utilisé, employé pour des concepts. Conceptual thinking. C'est-à-dire un mode de pensée qui est trompeur. And so, this is my analysis. It may not be correct. It's not that I read this in a text. Alors, ceci, je ne l'ai pas lu dans un texte. C'est mon analyse personnelle. But it makes quite a lot of sense to me. Mais pour moi, ça me paraît sensé. We have two types of categories. Nous avons deux types de catégories. We have object categories. I mean, there are many different kinds of categories, but one classification is into object categories and sound audio categories. Il y a beaucoup de types de catégories, mais là, il y a une classification qui se fait en deux, et qui est l'une, la catégorie des objets et la catégorie des sons. And object categories, that's also... that same term is used for meaning category, so the meaning of words, of sounds. Le terme catégorie d'objet est aussi appelé catégorie du sens, c'est-à-dire qu'on se réfère au sens des mots. So, what do sounds mean? They mean various objects, various things. What sounds mean? Yeah. Communicative sounds. Mm-hmm. Par exemple, ce que les sons signifient, qu'est-ce qu'une catégorie auditive? We have an audio category of the sound of words. Nous avons une catégorie auditive du son des mots. Think about this, it's very interesting. If I say the word mother, for example. Par exemple, essayons de réfléchir de cette façon. Si je dis le mot mère, maman. Okay. I can say it with my voice. You can say it with your voice. It can be said in so many different voices. Je peux le dire par ma propre bouche, avec ma voix. Vous pouvez le dire avec la vôtre. Donc, de différents types de voix. Different volumes. À différents volumes. Different pronunciation. Avec des prononciations différentes. And all of these are really quite distinct sounds, aren't they? Et tous ces sons sont distincts, n'est-ce pas? And we put all of those different sounds into the box of the sound of the word mother. Et nous plaçons tous ces différents distincts sons dans une boîte de catégorie que l'on nomme mère. Think about that.
That's true, isn't it? C'est la façon dont on procède, n'est-ce pas? Quite different sounds. That one voice saying the word and another voice, or a computer saying the mm-hmm. Ce sont des and yet you can you know that it's the same word. On sait pertinemment que c'est le même mot, mais les voix qui l'ont prononcé sont tout à fait distinctes, n'est-ce pas? Si on entend des voix humaines ou même celles d'un ordinateur. Those are audio categories. C'est ce qu'on nomme des catégories auditives. And then the same process is involved with how conceptual thought, verbal conceptual thought works. Et le même processus est utilisé pour expliquer comment les concepts, verbal, comment les catégories de mots fonctionnent. Mm. We have a category of a word. Nous avons une catégorie de mots. Then a conceptual isolator, nothing but this word. Then, puis nous avons l'isolant de ce mot, c'est-à-dire rien d'autre que ce mot. And then a mental hologram, a representation of the sound of that word. Puis vient la représentation, l'hologramme mental du son de ce mot. And voilà, what do we have? Et voilà, qu'est-ce qu'on a? You have the voice that goes on in your head. When you think verbally. Et ce que c'est en fait la voix que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes lorsque l'on pense en mots, verbalement. That is deceptive. Ça, c'est trompeur. Because not only does that appear, that voice going on in our head, when we think verbally. Parce que non seulement lorsque not l'on only pense does it appear truly existent, non seulement elle apparaît à notre conscience mentale. Right, but there it is. The word just rises in our head. We have no control over it. Just there by itself, this voice. Sans contrôle, cette voix dans notre tête, parce que nous pensons oralement, verbalement, apparaît dans notre tête sans aucun contrôle. Mais nous avons aussi la croyance qu'elle existe intrinsèquement, d'elle-même, de par soi-même. But it appears as though it's the voice of a truly existent me inside talking. Il apparaît comme la voix de quelqu'un existant intrinsèquement, réellement, à l'intérieur de moi-même. This independently existing me is somehow, this voice gives the appearance that it is the voice of this truly existent me. That's the author of the voice, the one who's talking. L'auteur de la voix, celui qui parle, semble être le moi qui existe intrinsèquement. And worrying verbally, what should I do? What do other people think of me? What's going to happen? Et il pense, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce qui va arriver? This internal voice. C'est that, la voix intérieure. That is the troublemaker. Et c'est vraiment le fauteur de troubles. That is my educated guess of what deceptive speech is referring to here. It fits in to the entire presentation in Kala Chakra. Otherwise, what is it talking about? Et je pense que c'est ce que signifie ici ce dont le texte parle en tant que goutte de speech de la parole. La goutte de la parole, ou la goutte de rêve. So it's referring to this really deceptive mental hologram of a voice in our head. En fait, cela correspondant à cette apparence de notre voix intérieure. And then, so you follow that? Digest that for a moment. I find that very profound. Yes. Je trouve ça extrêmement profond. Je ne sais pas si vous suivez. Where is that voice coming from? Kala Chakra tells us. D'où vient cette voix intérieure? Eh bien, le système de Kala Chakra nous enseigne.
Okay. The second thing that this speech or dream drop gives rise to is obviously dreams. La seconde chose à laquelle donne naissance cette goutte essentielle de parole, de rêve, c'est bien évidemment le rêve. And the text says specifically impure objects that appear in dreams. Et notamment les objets impurs qui apparaissent dans les rêves. So all of these things that arise from these drops on the basis level are impure. They are impure basis level. That means that they appear to have truly established existence, and of course we believe it. Toutes ces apparences qui apparaissent, les apparences des rêves, sont des objets qui sont impurs. Pourquoi impurs? Parce qu'ils sont teintés de cette croyance qu'ils sont réellement existants, existants intrinsèquement. When we study the topic called Lorik, ways of knowing, I believe you're starting to study here. Lorsqu'on étudie ce que l'on nomme en tibétain le Lorik, c'est-à-dire les façons, ways of knowing things. Les façons de connaître les choses. I refer to it in French. Mind and its functions. Anyway, whatever you call it. Et ses fonctions. Whatever you call it. In that topic, there's a mention of dreams. And what it says is that dreams are an example of non-conceptual mental cognition. On y fait dans l'esprit et ses fonctions, dans le texte de l'esprit et ses fonctions, on fait référence au rêve, et on dit que c'est une conception mentale, une perception mentale non conceptuelle. Oh, one has to think, what does that actually mean? Il faut un petit peu réfléchir à ce que ça veut dire exactement. Does that mean that everything in a dream is non-conceptual? Est-ce que ça veut vraiment dire que tout dans un rêve n'est pas conceptuel, c'est-à-dire direct, perception directe? No. I have to point out, and I'm sorry if I do this as a digression, but since you are going to study Lorik, I cannot control myself, so compulsively. Je peux pas me retenir là. Impulsivement, il faut compulsively que je dise quelque chose, parce que vous allez étudier l'esprit et ses fonctions, je me sens forcé de vous expliquer quelque chose à ce moment-là. As I noticed that you use the word direct. Oui, parce que pour dire non conceptuel, comme on a l'habitude de dire direct. This is used by so many translators in so many languages. C'est un terme utilisé par nombre de traducteurs dans nombre de langues. There are so many very, very fine distinctions that are made in the Buddhist analysis of how the mind moves. Il y a des distinctions extrêmement subtiles dans la façon dont les textes bouddhistes expliquent le fonctionnement de l'esprit. That one has to be very, very precise to find words for each of the distinctions that are being made and not mix the words for one distinction to refer to another distinction. C'est pour la raison pour laquelle il faut être extrêmement attentif et précautionneux dans l'emploi du terme que l'on va choisir pour bien suivre la distinction qui est faite dans ce contexte. Direct and indirect. That distinction has to do with whether our perception involves a mental hologram as an intermediary or not. Lorsqu'on utilise les termes direct ou indirect, on se réfère au fait de lorsque la perception utilise un hologramme mental ou non au cours de cette perception. According to the Vaibhashika, that's one school of Indian Buddhist philosophy, they don't assert mental holograms. So for them, sense perception is direct. You actually see the object. It's not that you see a mental hologram of the object. There's no mental hologram in between, so it's direct. Les tenants de l'école Vaibhashika, une école indienne autour du Bouddha,
ils décrivent les perceptions sensorielles comme directes parce que ne faisant pas intervenir l'apparence d'un hologramme mental. Par conséquent, il n'y a pas, il n'y a rien qui intervient entre la perception et l'objet perçu. Whereas everybody else says there's a mental hologram. Tandis que tout est indirect. Oui, tandis que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est interrompu par un hologramme mental est appelé indirect. That means that there's a time lag. We think in Western terms between when, let's say, light is coming from an object and the mental hologram. So what we perceive is only 1 microsecond later from the actual, you know, the event. Si on parle en termes occidentaux, la projection lumineuse de l'objet avant qu'il arrive à notre perception prend un certain temps, un quart de seconde, une milliseconde, et par conséquent, il n'est pas, il y a ce temps, ce laps de temps qui intervient entre les deux. That's not so strange if you think about starlight. The event of a star exploding happened, you know, millions and millions of years before. I mean, the event occurred before we actually perceived the light, so there's a time lag. On a appris cette, à propos de cette distance de temps, enfin, cet espace de temps qui existe entre, par exemple, l'explosion d'une étoile et le moment où nous, l'effet, on va ressentir l'effet de cette explosion il y a des milliers d'années. So if we take that on a micro level, there's also a micro gap, and that is what indirect perception, the word indirect is referring to in the text. Et si, donc on remet ça à une perception plus proche de nous, quelque chose plus loin, il y a quand même un très léger laps de temps avant que l'on ressente l'effet de cette perception. C'est ce qu'on appelle une perception indirecte. And then there's indirecte. Lots of discussions about, you know, how that actually works, how do you know anything if we're always 1 microsecond behind. Et il y a énormément de discussions et de débats à ce sujet pour savoir comment est-ce que cela fonctionne réellement, comment est-ce que l'on connaît quelque chose si on ne connaît que l'effet, on est toujours en retard d'un microseconde. Est-ce qu'on est capable de connaître vraiment la chose ou pas? And then we have bare perception. Puis nous avons les perceptions nues. And that's referring to whether or not there is the presence of a mental hologram. Et ça, ça se réfère au fait ou non, de l'existence ou non, d'un hologramme mental. So this is the difference between conceptual and non-conceptual. Non-conceptual, it's naked, it's bare, there's no mental hologram. Et dans cette distinction-là, on dit que c'est une perception conceptuelle ou non conceptuelle en fonction du fait qu'il y ait présence ou absence d'un hologramme mental. Still, we have this distinction of, you know, direct and indirect. That's donc a different distinction. Ouais, donc il y a les distinctions qui sont différentes en fonction de ce que l'on parle. Quelquefois on parle de direct et indirect. C'est un contexte particulier, quelquefois on dit conceptuel ou non conceptuel, et donc là ça se réfère à l'hologramme mental. And then the Galupa version of Prasangika must be aware that the Galupa has its own special version of Prasangika that nobody else agrees with. Maintenant, les tenants de l'école du milieu, les conséquentialistes, les Prasangika, ont une conception particulière, mais les Galupa à l'intérieur de cette école, Prasangika, ont leur propre vue là-dessus. They have something, they define something called straightforward cognition. Straightforward means not relying on a line of reasoning. So either it relies on a line of reasoning or it doesn't. Ils ont ce qu'il a... It leans, does it lean on logic, a line of reasoning, or is it just straightforward? So that's a different distinction. Ils ont une distinction supplémentaire, les Gelupa, qui se réfère au fait que la perception s'appuie ou non sur a line of reasoning, where there's smoke, there's fire. Un certain raisonnement mental. Donc si ça suit un raisonnement mental ou non, alors on fera une distinction. Or is it just straight? Ou bien est-ce qu'elle est
French word in direct. Right, so this is the problem. If you use direct for all of these. Si j'utilise direct là, qui est la traduction littérale de l'anglais straightforward. So you have to find another term in French. On trouve un autre terme. Et bon, jusqu'à présent, en français. Perception directe. Non, mais ça va pas. Non, parce qu'il ne faut pas utiliser le terme direct qui se réfère à la distinction que l'on a vue précédemment. Donc en français, on n'a pas. C'est ça le problème. Donc en anglais, en fait, il y a quelques mots qui sont supplémentaires dans quelques cas. I mean, I just made up the terms in English. Yes, but, we don't know. Yeah, so this is the challenge, that if you use the same word for two quite different distinctions, then, it's confused. It's confusing. That's a very good example of confused, it's deceptive. Voilà un exemple trompeur, parce qu'on est obligé d'utiliser un terme pour deux distinctions différentes, deux types de perceptions différentes que l'on souhaite expliquer dans différents contextes. Therefore, definitions. En conséquent, il faut vraiment réfléchir à ces définitions et aux termes employés. Même si... Otherwise, you don't know what they're talking about in the sense. Sinon, c'est vraiment très trompeur et confus. On ne peut pas savoir de quoi on parle dans les textes. Et est-ce que dans cette distinction, il y a encore les deux noms ont encore une explication différente? Les deux noms. Les deux noms. Les deux noms, pas. Do the Jonobos have a different explanation of perception? Yes. No, the perception? Oui. I haven't studied, I'm not familiar with their texts on perception, but I would guess that they follow the same type of presentation that you have in general of the non-Galupas. They seem to share one general explanation with just some very small refinements among them. And I would guess that because Jonangba is coming from Sakya, that it would follow the main Sakya assertion. Parce que je ne suis pas très familier avec l'école Sakya et la présentation générale sur l'esprit et ses fonctions. Ils auront probablement quelque chose de similaire, avec de léger raffinement peut-être. But let's not go into the distinctions in perception theory, because that really is a very full topic. Between, the distinction between the Galupa and the non-Galupa versions. Big difference. Ne nous enfonçons pas trop dans les détails de la façon dont sont présentés l'esprit et ses fonctions, les différents types de conscience, etc., dans les différents systèmes, parce qu'il y a de grosses distinctions entre l'école Galupa et les autres écoles. Especially concerning conceptual thought. Tout spécialement ce qui concerne les pensées conceptuelles. And unless you really understand the presentation of conceptual thought and cognition in these non-Galupa schools, et à moins de bien you get connaître, very, very confused about the presentation of meditation. À moins de bien connaître la présentation générale de ceux qui ne sont pas Galupa dans toutes les autres écoles de l'esprit, de ses fonctions et des différents types de cognition et de perception, alors il devient très difficile de comprendre ce qu'il dit. Try to eliminate conceptual thought and so on. If you don't know what they're actually referring to by conceptual thought, the meditation very easily is wrong. Et alors, il est très difficile de méditer si on ne distingue pas ce qu'ils veulent dire en tant que pensée conceptuelle. Il faut avoir une bonne connaissance générale de toutes ces données. So, and the explanation is equally as sophisticated and complex as you find in Galupa. It's different. Les explications sont aussi complexes et difficiles que ce qu'on trouve chez les Galupa, mais elles sont différentes. They don't all base themselves on these same Indian texts, they just interpret it differently. Based on the same Indian texts. Ils sont, la base, ce sont les mêmes textes indiens, mais la façon de présenter l'explication est différente. Okay, so dreams. Pour revenir aux rêves. When we talk about non-conceptual cognition in dreams, lorsqu'on parle de cognition, perception non-conceptuelle lors des rêves, that's referring to, and that this is mental non-conceptual cognition.
ce sont des cognitions mentales non conceptuelles. This is just referring to when it seems as though we are seeing images in our dreams or hearing, you know, sound, people speaking, and so on. Il semble que ce soit des images qui apparaissent dans nos rêves, où il y a des sons de personnes parlant, etc. That is not with our eyes or our ears. That's not eye consciousness or ear consciousness. That's mental consciousness. Ces représentations ne proviennent pas des consciences sensorielles, auditives ou visuelles. C'est en fait des représentations qui apparaissent à la conscience mentale. So initially, that is non-conceptual mental cognition. Donc au départ, il s'agit de cognition de perception mentale non conceptuelle. Right, so remember, like pixels, colored shapes. De la même manière qu'on parlait des représentations, les pixels de couleur et de forme. Hmm. But of course, we also then in dreams perceive things in boxes with categories. Dog, cat, my mother, friend, etc. Mais également dans les rêves, nous pensons en termes de catégories également, c'est-à-dire mère, chien, etc. Very interesting to examine your dreams. Is it with categories or not? C'est intéressant de réfléchir si nous. If you can remember your dreams. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de vos rêves? Est-ce que nous pensons de cette façon? Est-ce que nous plaçons les choses dans des catégories de la même façon que lors de l'éveil? In the dream, is it just colored shapes or is it my mother? Est-ce que dans le rêve, il s'agit uniquement de couleurs et de formes ou bien est-ce qu'il s'agit de ma mère? Obviously, if you dream of your mother or your friend, that's concerned, you perceive it in terms of this is my mother. Whether you actually say it or not doesn't matter. It's conceptual. Bien évidemment, si l'on, dans l'ordre du rêve, on pense à, on voit sa mère, il s'agit d'une pensée conceptuelle. Mm. Hein, que l'on soit attentif à ça ou pas. Right. So, we're talking here about the impure objects that appear, so even non-conceptually in dreams. Donc nous parlons ici des objets impurs qui apparaissent dans les rêves, même y compris ceux qui ne sont pas conceptuels. So we're still staying in the general area of mental cognition, mm-hmm. mental consciousness. Nous sommes toujours au niveau habituel de la cognition ou perception mentale. So even those appear to be truly existent. Même ces apparences apparaissent comme existant réellement, intrinsèquement. Truly established existence. Établi de façon intrinsèque. Now this gets very complex. I won't go into the detail. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça devient extrêmement complexe. During non-conceptual cognition, this is Galupa explanation. En accord avec l'explication des Galupa, during non-conceptual cognition, lors de perception non conceptuelle, you do not have manifest grasping for true existence. Nous n'avons pas de saisie manifeste d'existence intrinsèque, d'existence réelle. Grasping here is referring to not just perceiving this appearance, but believing that it corresponds to reality. La saisie ici signifie non seulement qu'on a l'apparence de la réalité intrinsèque de l'objet, mais aussi on croit qu'elle est vraiment existante. Mm-hmm. So, we don't manifestly believe that. On ne croit pas manifestement en cette existence intrinsèque. When it's non-conceptual. Quand il s'agit d'une pensée non conceptuelle. Whether sensory or mental, non-conceptual. Que la perception soit mentale ou sensorielle. But it is occurring subliminally, it is saying. Subliminal, in the Western terms, maybe you think of that in terms of unconscious. Mais cela apparaît, enfin, cela est compris de façon sous-jacente, subliminale. On peut dire subliminal.
un subliminal level of conceptual cognition. C'est un niveau subconscient. Les occidentaux utilisent les affaires. Subliminal is actually quite the correct term. Et c'est le terme correct, il me semble. You know, you're watching a movie, and for one microsecond, it says, flashes on the screen, drink Coca-Cola. Par exemple, vous regardez un film, et pendant un court, un très court instant, il y a un test qui dit, buvez du Coca-Cola. So it registers on your consciousness, but I'm not aware of it. That's subliminal. Cela s'est inscrit dans notre conscience, cela a été perçu par l'esprit, mais j'en ai pas été conscient. Je n'ai pas été attentif à ça. Je n'ai pas vu, en fait. This is what occurs when you're asleep, by the way. C'est la même chose qui se passe lorsque nous dormons. You have subliminal cognition of, for instance, sounds or physical sensations. On perçoit de façon subliminale certains sons. Otherwise, il y a des sensations physiques. Otherwise, there's no way you would ever hear the alarm clock. Oui, autrement, on n'entendrait jamais le réveil. If your consciousness was totally turned off, you'd never hear the alarm clock. Si notre esprit était complètement éteint, il n'y a aucun moyen pour nous d'entendre le réveil. So the sound is registering, in a sense, on the ear consciousness, but myself as a person, I'm not aware of it. Mais le son s'inscrit à travers la conscience sensorielle auditive, mais je n'en suis pas conscient. Okay, so there's still grasping for true existence. Mais, the whole point here, whether it's conceptual or non-conceptual. Le point important ici, c'est que ce soit conceptuel ou non-conceptuel, on saisit tout de même l'existence intrinsèque des apparences. Okay, so this is the dream trope. Donc ça, c'est la... le piège du rêve. Yes, so remember, we're talking about from these drops giving rise to mental holograms that are known by the mind, by mental cognition. Rappelez-vous que nous parlons des gouttes essentielles dont émergent les hologrammes mentaux qui sont perçus au niveau de la conscience mentale. Right, so only known to the mind, you would say. Ces hologrammes mentaux ne sont connus que par l'esprit mental, la conscience mentale. So we're talking either about the mental holograms of imagination, remembering, thinking. Nous parlons donc des hologrammes mentaux qui occurrent lors de l'imagination, la pensée, la réflexion. The mental hologram of the voice in our head. Les hologrammes mentaux des voix dans notre tête. And the mental hologram of the various images and sounds and so on that arise in dreams. Et les hologrammes mentaux variés qui s'élèvent lors, que ce soit auditif, visuel, etc., qui s'élèvent lors des rêves. You get an idea of the class of phenomena that we're talking about, this range of mental holograms. Il y a toute un éventail d'hologrammes mentaux qui peuvent surgir ainsi sur notre conscience mentale. Vous avez What they're going to have in common has to be somehow these winds of karma. Et ce qu'ils ont en commun, d'une façon ou d'une autre, ce sont ces souffles karmiques. Right. And that's really what it means about is the whole range of different types of mental holograms. How is that somehow related to winds of karma? Is it related to karma itself? What's going on? This is what we are investigating. Ce qu'on étudie maintenant et ce que l'on cherche à comprendre, c'est comment toutes ces apparences et ces hologrammes mentaux, est-ce qu'ils ont un rapport, comment ils sont en rapport avec ces souffles karmiques ou avec le karma, nous étudions cela. Because on the subtle level, the interior level, this is inner kalachakra, so interior level. On parle maintenant du kalachakra ici, du kalachakra intérieur, interne. Donc, c'est au niveau subtil. Right, it's believing in the true existence of all these mental holograms that it corresponds to reality. That is the cause of our disturbing emotions coming up and so on. Croyant à l'existence intrinsèque de tous ces hologrammes mentaux est la cause de toutes nos perturbations mentales.
you follow? You have to always keep the context, otherwise it's just really fascinating information. Oui, parce que toutes ces informations sont fascinantes, donc il faut bien se garder de ne pas aller un peu partout et s'accrocher à ça, mais voir quel est le contexte et comment ça s'applique. That's why I pointed out the danger in the very beginning, that we could become too fascinated, too seduced by the beauty of this sophisticated explanation, and you lose sight that it is part of a whole process of getting out of suffering. C'est pour ça, au début de mon intervention, j'ai bien mentionné de ne pas nous laisser attirer par la beauté, la magnificence de ces détails explicatifs, hein, parce qu'ils sont extrêmement profonds. Et on perdrait, si on fait cela, on perdrait le sens profond qui est notre étude de la façon dont ils peuvent nous aider, ces points, ces détails, comment ça peut nous aider à sortir de la souffrance sensible. So, to remember, it's all like an illusion. Tout était comme une illusion. One could say that very easily. C'est facile à dire, n'est-ce pas? But what that actually means is rather profound. Mais ce que cela signifie vraiment, tout est une illusion, c'est extrêmement profond. Anyway, now the third drop. This is now the third and fourth drops. These are more difficult, more subtle to analyze. Alors, les troisième et quatrième groupes essentiels, maintenant que nous allons approcher, sont un petit peu plus difficiles à analyser. On the basis of the mind drop, or the drop of a deep dreamless sleep. Sur la base de la goutte essentielle de l'esprit, de la conscience mentale, ou bien nommée aussi la goutte essentielle du sommeil profond. We have non-conceptual mental cognition. Nous avons des perceptions mentales non conceptuelles. Oh. Interesting. You just have to look at the words in the text. This. You just have to look at the words of the text. vous devez faire attention aux mots du texte employé. See, that's a good example. You know, there's the words, it can have two meanings. Mm-hmm. You know, I'm talking in general, you have to look in terms of the Kalachakra text, so you can think personally, here's an example of, remember this disturbing attitude in which you throw out the net of me and mine. It's voilà. Talking to me about I should look at this text here. Voilà l'exemple de confusion, parce que perfect example. Je parlais en général, mais la traductrice s'est mise à jeter son filet de c'est à moi qu'il parle, c'est moi, donc il n'a pas traduit. Donc c'est un parfait exemple de confusion. Hmm. It's not confusing that I might have been speaking to you, and that might have been my meaning. Ça pourrait avoir été le sens de mes mots. But mais throwing out that net of, you know, me and mine, then you know, where's the place? What should I do? Exactly there. Suffering. Et le fait de aussitôt projeter quelque chose qui se réfère à moi, alors sur cette base, et ben voilà, là, je m'inquiète, je cherche mon point, et donc c'est création de souffrance. That's what you have to train yourself to be able to do, is in our everyday experience to recognize what the Dharma is talking about. Et donc voilà l'objet de notre travail quotidien, savoir reconnaître ce dont on parle et reconnaître ce qui correspond à nos expériences. You can only do that if you know all the definitions, you know what all these mental factors are referring to. Et pour cela, and then you have the mechanism to be able to identify it in everyday experience. Then you know what it is you have to work on to get rid of. Et donc pour être capable d'identifier ce dont on doit sur quoi on doit travailler, ce quoi on doit éliminer dans notre processus mental, il faut avoir étudié profondément et bien connaître le sens des définitions et le sens des consciences, etc. So, we have two words here that are describing the mental consciousness and deep sleep with no dreams. Donc, il y a deux termes ici qui définissent, qui sont utilisés pour la conscience mentale dans
le sommeil profond. This is what we use to investigate. Alors, these two words. Nous allons investiguer, analyser le sens de ces deux mots. Right. One word, non-conceptual. L'un est non-conceptuel. Second word, you just look at the word, right? Literally, it says not clear. Si l'on regarde littéralement le terme non-conceptuel, ça signifie non clair. That's how it's usually translated. Not clear. Ce n'est pas clair. C'est comme cela qu'on est traduit. So you take that to mean the Western word not clear, which means out of focus. Alors on peut utiliser le terme occidental, pas clair, qui signifie hors champ. You know, you're looking through the camera, it's not clear. We have to adjust the focus, and then it's in focus, it's clear. Lorsque l'on regarde dans une caméra, dans l'appareil photo, c'est clair ou pas clair, veut dire qu'on est sur le point ou pas, si on est dans le champ précis ou pas. On est hors du champ ou on est sur le champ. And then you analyze, does that make any sense in this context? Ensuite, on analyse si ça a un sens ou non dans le contexte précis que l'on utilise. No, it doesn't. Il semble que non. So, we have to, now again, this comes from studying a lot of literature in Tibetan, unfortunately. Et malheureusement, ça implique d'avoir étudié un certain nombre de textes en tibétain. But, those who have studied can explain these terms, and that term is used for making appearances. It's the appearance-making function of the mind. Mais ceux qui ont étudié notre tibétain peuvent expliquer ce terme, et le terme utilisé pour expliquer cela est la non-fabrication de... Of making of appearances. La non-fabrication des apparences, right? Des représentations. It's a quality of the mind. C'est une qualité de l'esprit. It's used, discussed quite... dans les textes traitant du mind. Right? It's that aspect of the mind that makes the appearance of things. Ça parle de la façon dont l'aspect de l'esprit, de la conscience, de la perception mentale, qui crée l'apparence. So clear in the sense that something appears, not clear in the sense of being in focus, not fuzzy. Et là, on clair signifie la façon dont les choses apparaissent, pas dans le sens où elles sont en dans le champ ou sont peut-être non voilés, c'est pas dire qu'ils sont nets ou pas nets, mais clairs dans le sens où elles peuvent apparaître. Now, you analyze further. Maintenant, on peut analyser plus profondément. Could that mean literally that there is no appearance making whatsoever? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de fabrication d'apparence? If it did, the absurd conclusion would follow. This is how Buddhist logic is formulated. The absurd conclusion would follow that the mind in deep sleep no longer has the defining characteristics of mind. Cela voudrait dire qu'on arriverait à la conclusion absurde que l'esprit de sommeil profond ne serait pas capable de générer une apparence. Because one of the functions of the mind is that it gives rise to appearances. Mahamudra always talks about inseparability of mind and appearance. La caractéristique, donc, ce ne serait plus une conscience, un esprit, parce qu'elle ne serait pas capable de créer donc une apparence. Et one of the characteristics is that the mind is always making appearances. Parce que la caractéristique principale de l'esprit, c'est de créer en permanence des apparences. So, always making mental holograms. À tout moment, il y a une production, d'une façon ou d'une autre, il y a une production d'apparence mentale, d'hologrammes mentaux. So, what it means then in this context, what it has to mean, is that the mind is not giving rise to
sense objects. In other words, you don't have sensory cognition. Ce que ça signifie ici, donc dans le sommeil profond, c'est que l'esprit de sommeil profond, la conscience de sommeil profond, ne donne pas, il n'y a pas d'apparence d'objet de type sensoriel. Right, and it's not giving rise to what seems like sense objects that appear only to mental cognition. So we don't have a voice going on in our head, and we don't have images of, you know, my mother or my dog. Par conséquent, il n'y aura pas d'apparence, par exemple, de cette voix intérieure, des sons extérieurs, auditifs, ou des pensées du type « tiens, c'est ma mère », etc. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'image de la mère. So, the only thing that appears, and this is says in the text, is a darkness. Et donc dans ce sommeil profond, la seule chose qui apparaît, c'est une obscurité. And therefore, the darkness must be a mental hologram of the darkness. Par conséquent, cette obscurité doit être un hologramme mental de l'obscurité. And it says, without mindfulness. Et il est précisé que cette apparition est sans attention, sans... Mindfulness, this is a very important word to know the definition of. C'est encore un terme dont il est très important de connaître la définition. Right? Mindfulness, most, l'attention. I don't know about in French, but in English, most people use the word mindfulness just to mean paying attention. And that is a different mental factor. That is not. That's the factor of attention. That's not the factor of mindfulness. Donc en anglais, beaucoup de personnes utilisent ce terme pour désigner porter attention à quelque chose. Mais ça, c'est un facteur mental différent. Et donc en français, je sais qu'on utilise le terme attention, mais il faudrait peut-être le redéfinir. La pleine conscience. La pleine conscience. In any case, I don't know what term you use in French. However, what the... So I don't know what term you use in French. Full consciousness. Full consciousness. That doesn't mean anything. That doesn't mean anything either. So you have to know what it means. First of all, it is the same word that's used for remembering. D'abord, il faut savoir same word. En tibétain, c'est le même terme utilisé pour la mémoire ou le facteur qui se rémunération. So, remembering, here we're not referring to the process of storing something in your memory. Try to remember that. Not talking about that. Ici, that aspect. Ici, on ne parle pas de l'aspect je dois me souvenir de quelque chose. Il ne s'agit pas du tout de ça. Comment on parle de se souvenir. But we are referring to recalling something. When you remember what my mother looks like. Ici, il s'agit plutôt de se rappeler une image, par exemple, comment est-ce que ma mère, à quoi ressemble ma mère. This mindfulness, this mental factor, is like the mental glue. With which you hold on and don't let go. It prevents you from losing it, from forgetting. Et donc, ce que l'on appelle la mindfulness ici, dans ce sens, c'est donc la colle mentale, c'est une attention, de type attention, mais qui est une colle mentale qui nous permet de tenir l'esprit, la conscience sur l'objet, de rester sur l'objet. So we're not talking about, you know, I have a good memory. On ne parle pas de dire j'ai une bonne mémoire, c'est pas ça qu'il s'agit. But we're talking about what's going on at the actual moment when you are recalling something. It's a mental glue that holds on. On parle de ce qui se passe au moment où nous rappelons quelque chose, où nous réveillons une image mentale, et c'est cette colle, en fait, qui sert à tenir l'objet mentalement. So, now you have ça, c'est l'attention dans ce contexte. So now we have to investigate. What is it that the mental glue of mindfulness is
It says there's no mindfulness here. So what is it that that glue of mental glue of mindfulness is not holding on to during deep sleep when you don't, when you're not dreaming? Donc là, le texte dit que durant cette, ce sommeil profond, la conscience est sans mindfulness, sans cette attention, cette colle mentale qui tient l'objet. Donc, à quoi, pourquoi on utilise ce terme sans attention, sans colle mentale, et qu'est-ce qu'elle a relâché? So let's not use the word attention. Let's use the word mental glue. On est donc utilisant le terme colle mentale. À quoi elle ne s'accroche pas? Qu'est-ce qu'elle a relâché? What could possibly be? What's this talking about? That the mental glue is not holding on to something during deep sleep. Qu'est-ce que ça veut dire que la colle mentale ne retient pas, qu'est-ce qu'elle ne retient pas dans le sommeil profond? So now we have to bring in many more pieces of the puzzle, the Dharma puzzle, to figure this out. Pour cela, il faut que nous rassemblions d'autres pièces venant d'autres enseignements lors du Dharma. In the general presentation of Anuttara Yoga Tantra, dans la présentation générale des tantras d'Anuttara supérieur, specifically Gaudiya Samaja, et en particulier le tantra de Gaudiya Samaja, there's the practice of what's called the nine mixings. Il y a une pratique que l'on appelle les neuf mélanges. And in that, there's the mixing of deep sleep. Et dans ce système, on parle donc le mélange du sommeil profond with Dharmakaya and clear light mind. Avec le Dharmakaya et la claire lumière, l'esprit de claire lumière. So this is the only other context that I have ever come across in which they talk about deep sleep with no dreams. So I have to go to those teachings and see, is there something in there that gives a clue about what Kala Chakra is talking about? C'est uniquement dans le tantra de Kalachakra que j'ai rencontré ces termes, le sommeil profond, sans cette colle mentale. Et donc, on est obligé d'aller rechercher dans les autres textes bouddhistes. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'explication? This is why His Holiness in all the texts always said, the larger your power of hearing, of studying, of learning the Buddhist literature, the texts, the more able you are to understand the Dharma. Put things together. Figure out what in the world is it talking about. Et c'est ce que mentionne régulièrement Sa Sainteté Dalai-Lama et tous les grands maîtres, que plus votre connaissance est vaste, les textes bouddhistes et du Dharma est vaste, plus cette connaissance est vaste, et plus vous aurez de facilité à comprendre le sens de tel ou tel texte particulier. So, we have somehow deep sleep and clear light mind and Dharmakaya are somehow put together. Donc maintenant, on parle donc à la fois trois choses qui sont rassemblées ici, le sommeil profond, le Dharmakaya et l'esprit de clair lumière. And we also know that in the description in Nuttara Yoga Tantra of the dissolution of the mind and the energies into clear light. Et l'on sait aussi que dans le système de la Nuttara Yoga Tantra, les tantras supérieurs, et on parle de dissolution. There is the most subtle level right before clear light. L'esprit le plus subtil qui est avant, qui arrive avant l'esprit de clair lumière, précède l'esprit de clair lumière. That's called near attainment cognition. C'est ce que l'on nomme la perception de la proche obtention. Right, you nearly attain clear light. Vous êtes prêt d'atteindre l'esprit de clair lumière. Donc, on parle de proche obtention. And that's also known as the black appearance. Aussi connu sous le nom de apparence noire.
and a black darkness appears. Et il y a une apparence d'obscurité complètement noire. Similar to what appears in deep dreamless sleep. De la même façon, similaire à ce qui apparaît lors de sommeil profond sans rêve. So, this is great because now we have some other angle on what's going on in deep sleep. Alors maintenant, on est assez content parce qu'on a quelque chose de similaire à ce qui apparaît, la façon dont ça se passe dans le sommeil profond. So, several points. Now you have to. What do we know about this black near attainment consciousness? Il faut qu'on explique un petit peu ce que c'est que cet esprit de prochaine obtention et cette obscurité. First of all, it's conceptual. Tout d'abord, c'est un type de conscience conceptuelle. But it is the most subtle level of conceptual mind. Mais c'est le niveau le plus subtil des consciences conceptuelles. So what we have to realize is that there are many levels of conceptual cognition. Mais il faut savoir qu'il y a de nombreux niveaux de conscience mentale conceptuelle. Remember, we said that during non-conceptual cognition, you don't have manifest grasping for true existence. Rappelez-vous, nous avons dit que lors de perception non conceptuelle, il n'y a pas de saisie de l'existence intrinsèque. You have subliminal, because subliminally, you have this very, very subtle conceptual cognition going on. It's not the same conceptual cognition as thinking of the category bot, a dog. A much more subtle level. Mais en dessous de cette conscience non conceptuelle, il y a de façon subliminale, subconsciente, une perception de type conceptuel qui saisit donc. So, even in non-conceptual deep sleep, there still is a very, very subtle conceptual level that's grasping for the true existence of that darkness. Et donc, même dans la conscience très subtile du sommeil profond sans rêve, il existe de façon subliminale, subconsciente, une perception conceptuelle qui saisit, en fait, l'existence intrinsèque. And it's even better. Et c'est encore mieux. Because near attainment has two phases. Parce que l'esprit de proche obtention a deux étapes. With mindfulness and without mindfulness. Avec la colle mentale ou sans la colle mentale. So, here we have some more information what this variable is referring to. Donc maintenant, puisque ces termes sont employés, on comprend mieux ce que signifiait ce qu'on a vu plus avant dans le système de caractère. So, we look at one of the Gukhi Samaja commentaries. Donc, grâce à ces commentaires de Gukhi Samaja. Actually, Tsongkhapa's commentary on this. En fait, les commentaires de Jigong Tsongkhapa sur le tantra de Kalachakra. And Gukhi Samaja. Gukhi Samaja, pardon, qui précise ces points. And he says that it is not the mindfulness that we're talking about here, that's either present or not present, is the mindfulness, the mental glue of the mind itself, of the perception itself. It's not that you lose the mental glue in terms of concentration. En fait, Tsongkhapa précise dans ce texte que avoir cette colle mentale, ou qu'elle soit présente ou non, il s'agit de d'une colle mentale qui appartient à la perception elle-même, et il ne s'agit pas de l'attention. But it's not, you know, there's mindfulness, mental glue that's involved in concentration. Oui, il y a, rappelez-vous, il y a aussi cette colle mentale, on l'utilise ce terme aussi lors de la concentration. So that you hold on with mental glue to the object that you're focused on. Et pour tenir l'objet de notre concentration sur laquelle nous nous concentrons, on utilise cette colle mentale.
Tsongkhapa says it's not this mindfulness that you lose. Donc, if you did, then you would have mental wandering and you would not be able to do the meditations which are done in this state of near attainment. Et donc, Tsongkhapa précise que ce n'est pas cette colle mentale donc, que nous avons lors de la concentration permet de bien tenir l'objet de notre concentration. Ce n'est pas celle-là qui n'est pas présente ou non. Parce que dans ce cas-là, on aurait l'esprit qui irait à gauche, à droite et on ne serait pas capable de le tenir. Because in the advanced meditations, we are using these very subtle states of mind as level of mind for meditating on voidness and so on. Parce que en fait, cette colle mentale est utilisée lors des concentrations profondes, hein, les absorptions méditatives déjà bien avancées, et lorsque nous nous concentrons sur l'objet de la vacuité et pour chercher à la pénétrer. So, it's not that we lose, at least in meditation, that we lose the mental glue on, you know, for concentration, but we lose the mental glue on the mind itself. Donc, ce n'est pas la colle mentale qui est utilisée pour soutenir notre concentration, mais nous perdons la colle mentale de la perception. And now we have to go look up in cognition theory. What does that mean? Alors maintenant, il faut s'appliquer à se pencher sur la perception elle-même. Comment ça se passe? And it says that one of the functions of mindfulness of the consciousness is that it allows you to remember something. Et là, il est dit que l'une des fonctions de l'attention, de la colle mentale, la colle mentale dans une conception, dans une cognition, dans une perception, vous aide à vous souvenir, à rappeler l'objet. Oui. In non-prasangika, you have a separate mental factor, which is reflexive awareness, that's aware of itself. Dans les systèmes non conséquentialistes, non prasangika, dans les autres systèmes que les prasangika, parce que les prasangika n'incluent pas dans leur système la réflexion, le self-knower. Self-knower, l'autoconscience de la perception qui se passe. Mais tous les autres, la plupart, pas tous, mais la plupart des autres tenants philosophiques parlent d'un autre facteur mental qui est ce que l'on appelle le self-knower, l'autoconscience de la perception qui va en même temps que la perception, donc qui comprend la perception, qui est conscient de la perception au moment même. But according to Prasangika, the consciousness itself implicitly knows itself. Les Prasangika estiment que la perception elle-même est consciente d'elle-même. Ça fait partie de la because it's not truly existent, then you don't have all the contradictions that would follow from something being aware of itself, like a sword cutting itself. Et parce que parce que elles ne sont pas ces perceptions ne sont pas intrinsèquement existantes, cela coupe l'erreur qui viendrait à penser, par exemple, qu'une épée pourrait se couper elle-même. Que les consciences soient conscientes d'elles-mêmes, on pourrait penser que comment une épée pourrait se couper elle-même. Il y a cette contradiction dans les débats philosophiques. But in any case, we're not discussing voidness this weekend. Nous ne parlons pas de la vacuité ce week-end, donc... The point is that this mental factor of the mental glue is the factor that's responsible for the fact that you can remember. Le point principal ici à se rappeler, c'est le fait que le facteur mental de cette glue mentale, c'est un facteur mental, cette glue mentale, est ce qui nous permet de nous remémorer, rappeler l'objet. Now we throw this ingredient into the cake that we're cooking of trying to understand what in the world this deep sleep drop is doing. Maintenant, avec sachant cela, essayons de
voir si ça nous aide à comprendre qu'est-ce que cette goutte essentielle de sommeil profond manifeste, comment, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle agit. When you are in deep sleep and the mind on a very subtle level is producing a mental hologram of darkness. Lorsque vous êtes en sommeil profond et que la conscience, que la goutte de sommeil profond génère, a mental hologram of darkness. Génère un hologramme mental d'obscurité. When you wake up, do you remember receiving a darkness? Est-ce que when you had deep sleep? Est-ce que l'on sort, lorsqu'on sort du sommeil profond et que on se réveille, est-ce que l'on a à ce moment un souvenir de cette obscurité? You might remember the dreams, but do you remember the darkness when you weren't dreaming? Il est possible que vous vous souveniez de vos rêves, mais est-ce que vous vous souvenez de l'obscurité au cours du rêve? Do you? Non. That's what this is explaining. Without mindfulness is explaining that. That's what it's saying. C'est ce que cette colle mentale explique à ce moment-là. L'absence ou la présence de cette colle mentale. So, it's non-conceptual, so there's no, you know, and it's mental. So there are no images, you know, like in dreams or anything like that. Donc ce sommeil profond est non conceptuel, il n'y a pas d'image comme dans un rêve. But there is still the appearance of, what should we say, a mental hologram of the darkness. Mais il y a tout de même l'apparence d'un hologramme mental, la représentation de l'obscurité. But you don't remember it. Mais on ne s'en souvient pas. And what's even more fantastic that confirms this. Et ce qui est le plus extraordinaire, qui confirme cela, is that when the boundary is drawn between clear light mind and the grosser levels. Lorsque l'on définit clairement la limite entre l'esprit de clair lumière et les niveaux plus grossiers de l'esprit. In the presentation of this nine mixings. Lors de la présentation de ces neuf mélanges. It says the near attainment without mindfulness is included in the clear light experience. On dit que la présentation de cette conscience, cet esprit de proche obtention. Right? In other words, deep sleep experience, and the boundary between that and dream is when you have the near attainment, the black appearance with mindfulness. I'm sorry. Where do we draw the boundary between deep sleep and dreaming? Où place-t-on la limite, la barrière entre le sommeil profond et les rêves? So in the nine mixings, it gives that boundary quite explicitly. Parce que dans les neuf mélanges, on explique de façon précise cette barrière, cette limite entre les deux. The boundary is within the near attainment experience. When it's with mindfulness, that's over on the dream side already, you can remember a darkness. And when it's without mindfulness, when you can't remember the darkness, it's already on that clear light side. Et cette frontière, cette barrière entre ces deux, se situe au niveau de l'esprit de proche obtention, lorsqu'elle est avec la glu mentale, alors on a l'apparence on est du côté du rêve et quand elle est sans la glu mentale on est dans la claire lumière. So in the meditation instructions it says the longer you can stay in near attainment without mindfulness the better your clear light.
experience will be, stronger it will be. To stay in that phase without mindfulness, in other words, you're not holding on to the image that is appearing. You have to give up holding on to that image and remembering the mind. You have to, you know, be totally detached to go into the clear light level. Lors de la méditation, il est très important, donc le texte dit, plus vous serez dans cet esprit, au niveau de l'obscurité, alors de la conscience d'obtention proche, sans la glu mentale, c'est-à-dire qu'il faut laisser aller, il faut abandonner cette saisie de cette glu mentale, cette glu mentale sera présente, et plus vous rapprocherez de l'expérience de clair lumière. Donc il faut laisser partir cette saisie de l'image mentale de l'obscurité. So all of these various pieces of the puzzle lead us to the conclusion of what's going on with deep sleep. What is the appearance that's arising from this mind drop, or the deep sleep drop? What's the mental hologram? Toutes ces pièces du puzzle maintenant se mettent en ordre et nous comprenons un petit peu mieux ce qui se passe dans lors du sommeil profond et comment on doit agir et comment cette goutte de sommeil profond, à quoi elle donne naissance. In other words, now we have added another type of mental hologram into this larger picture that we're having of what is arising from these drops because of the movement of the winds. Maintenant, c'est une vision un peu plus large de ce qui est donné naissance par l'intermédiaire de ces gouttes essentielles. You know, we're still talking about mental holograms that appear only to the mind. On parle toujours à quoi elles donnent naissance, ces gouttes essentielles. Ce sont des hologrammes mentaux qui apparaissent à la perception mentale. And they all appear to be truly existent. Toutes apparaissent comme réellement existantes, intrinsèquement existantes. And either manifestly or subliminally, we believe that appearance corresponds to reality. Et soit manifestement ou d'une façon subliminale associée, on croit fermement que cela correspond à la réalité. So we've added to the mental images, the mental holograms, I should say, of when we are imagining or remembering. Donc nous avons ajouté aux hologrammes mentaux de ceux que nous avons qui se manifestent lors d'un souvenir ou lors de l'imagination. And the mental hologram of the voice in our head. Les hologrammes mentaux qui apparaissent par exemple dans celle de la voix intérieure. And the mental hologram of our holograms of our dreams. Nous avons les hologrammes mentaux des rêves. We've added even the mental hologram of darkness that arises when we're in deep sleep that we don't even remember. Et nous avons maintenant les hologrammes mentaux de l'obscurité qui apparaît lors de notre sommeil profond et dont nous ne sommes pas conscients. Ok. So, let's take a break and then we will discuss what arises from the fourth drop. Prenons un petit temps de repos maintenant et puis nous verrons ce qui émerge de la quatrième goutte essentielle. But you get the, I think that the point that I, one of the many points that I'm trying to illustrate, I've repeated this now several times, is analysis. Try to figure out what the texts are talking about. It's not just idle chatter. There's something very profound being discussed in the texts, but we have to figure it out ourselves. Commentaries help, and you have to put them all together. Le point essentiel de mon propos, ce n'est pas que je veux parler ainsi et exprimer tout ce que je sais, c'est simplement qu'il faut vraiment, je souligne qu'il faut vraiment analyser et étudier profondément le processus de ce qui se passe bien sûr il y a toutes les explications qui sont dans les textes et les commentaires et de façon à comprendre le processus vraiment.
And where does the energy for all of this come from? D'où vient l'énergie de tout cela? Besides bodhicitta and all of that, what's more fundamental? Ce qui est presque plus important que tout le reste, comme la bodhicitta, l'esprit d'éveil, etc. Refuge. Le refuge, le plus important. Refuge. It is meaningful. It is not without meaning. Le refuge n'est pas sans sens. Il est plein de sens. If you truly have confidence that everything that Buddha taught, the Dharma, is intended for us to be able to get out of suffering and help others get out of suffering. Si vous avez foi en ce que les enseignements du Bouddha sont n'ont pour but que nous aider à sortir de la souffrance, à éliminer la souffrance et à aider les autres à éliminer leur souffrance. If you are fully convinced of that, so that's really your refuge. Si l'on est vraiment convaincu de cela, alors ça c'est notre refuge. Then you have to try to figure out what every word of the Buddha's teachings mean. They have to mean something, and it has to mean something significant for us to get out of suffering. Si c'est it's cas, not just, you know, intellectual, you know, very pretty, nice. Si c'est le cas, il faut vraiment chercher à comprendre le sens des enseignements du Bouddha, parce qu'ils sont vraiment pratiques, ils sont là pour nous aider à sortir de la souffrance, et ce n'est pas juste un processus intellectuel de compréhension, c'est quelque chose de très pratique. So, these don't trivialize refuge, it really is important. Donc ne considérez pas le refuge comme quelque chose de basique, et c'est quelque chose vraiment de fondamental. And don't leave it on some superficial level of, you know, wear a red string and recite a few words. Se contenter seulement de réciter quelques mots et de porter les cordons rouges. Refuge itself is very profound. Ce n'est pas ça, le refuge. Le refuge lui-même est quelque chose d'extrêmement profond. Oh, let's have our break. Et donc, prenons un petit moment de pause.